va mettre sûrement des oignons à cuire au four avec un petit peu de sucre pour les faire confire. Ça va faire partie de la mise en place des pizzas et aussi des burgers puisqu'on utilise les oignons dans les burgers. Là, c'est la livraison fraîche de ce soir de pain burger de notre boulanger. Des pains briochés avec des petits grains de sésame et des grains de pavot. Pendant la préparation d'un burger, on les met à toaster dans la salamandre qui est là. Comme ça, on allume. Ensuite, on met le fromage le cheddar dessus et on les fait toaster. Ce qui leur donne un petit croquant que tout le monde connaît.